Je m'appelle Jens Schiermans, j'ai 27 ans et je viens de Belgique. Je suis vététiste professionnel de cross-country. C'est la discipline de VTT qui est aussi une discipline olympique. Je suis commencé quand j'étais 16 ans. J'ai choisi le VTT cross-country olympique parce que c'est la discipline VTT où tu montes des côtes raides et tu descends des chemins techniques. Et cette combinaison, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Pour ma mission d'ambassadeur pour les terres de jeu, ma rôle, ça sera d'aller chercher des délégations pour venir ici et pour découvrir le belle forêt en Creuse et à Guéret, qui sont parfaits pour les VTT. En fait, pour moi personnellement, c'était une belle surprise quand je suis venu ici pour la première fois, parce que tu trouves vraiment tout pour progresser comme VTTiste. Il y a des belles chemins, il y a des côtés, il y a des zones techniques, il y a une piste BMX, une piste de descente. Et en plus, on a un très bel circuit ici qui ressemble beaucoup à une circuit de Coupe du Monde. Donc c'est vraiment un bel endroit pour préparer les objectifs dans la future. Mon point fort pour aller chercher des délégations, c'est que je parle plusieurs langues et je connais déjà beaucoup de monde au circuit mondial. Du coup, c'est à moi maintenant de parler avec tout le monde et convaincre d'autres délégations pour venir ici. Et je suis presque sûr que dès qu'ils sont une fois ici, ils vont revenir chaque année. Jens Schiermans, aujourd'hui, est licencié à Creuse Oxygène maintenant depuis 4 ans. C'est un athlète de haut niveau. Il est belge, il parle 4 langues et nous, on l'a choisi comme ambassadeur du centre de préparation des Jeux Olympiques ici à Guéret. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie des meilleurs pilotes du monde. Il a fait les Jeux Olympiques de Rio, sur lesquels il a terminé 16e. Il va faire Tokyo et j'espère qu'il fera Paris. Donc pour nous, eh bien, c'est l'ambassadeur idéal. Ici, vive les Jeux!